Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Diablo 3 Reaper of Souls. J'ai eu un gros bug, excusez-moi. Manoir de Léoric, nous y allons. Et comme je l'ai dit dans le précédent épisode, nous allons nous rendre directement dans les salles de l'agonie. Donc ils sont en fait en dessous le manoir. Voilà. Crac. Allez, on y va. On trouve Xerrit, le porteur de clé à fort de pierre dans l'acte 3. Ça, on n'y est pas encore, on est encore à l'acte 1. Alors, un bassin de la réflexion pour plus d'XP. Oui, c'est pas top par ici. Waouh, waouh, waouh. Oh, pas de chance. On a vraiment pas de chance, il a pratiquement rien lâché en plus. Mais bon, c'est pas grave. Oh. Bon, on va aller faire ça rapidement. Le trésor nous attend. C'est un ennemi puissant qui nous attend là. Hop. Pas encore. Voilà. Voilà. Oh, il en manque encore un. Ce n'est pas prêt. Hop. Jusque là, ça se passe plutôt bien. On n'a pas trop de problèmes. J'ai tenté que mes critiques arrivent à sortir. Oui, pour la blague, regardez. Plaque. Un peu de patience. Comme ça, ils sortent pas. Hop. Alors, voyons voir par là. Petit passage vers la gauche, dis donc. C'est qu'on ne se refuse rien par ici. Même pas une exp... Wouah, même pas des boss. On va mourir. On va mourir, chers amis. Je vous l'assure, on va mourir. Ils ont vraiment une... Là, ils ont une... un enchaînement de sorts qui est moisi. Pas encore. Autant vous le dire. Un adversaire puissant est tombé aujourd'hui. Ouais, bah on a du bol. Si j'avais pas réussi à m'évader du truc, on serait mort, chers amis. Franchement, j'ai vu ma mort arriver. Je n'avais plus vu autant de sang couler depuis les rituels d'invocation des Vizjereilles. Référence pour ceux qui le comprendront. Qui la comprendra, pardon. Oh non, c'est du blanc. Oh. Hop. Qu'avons-nous? Quelques zombies de fournaise, comme d'habitude. Hop, allez. Pas chier. Ça par contre, faut les arrêter. Avant qu'ils invoquent le bonhomme. Tac. Ce n'est pas prêt. Hop. Alors peut-être que j'en ferai en live, hein. Ça m'avait vraiment manqué ce petit Diablo. D'ailleurs les lives qui arriveront donc courant à août, début à août je dirais. Ça y est, normalement c'est décidé, je suis en train d'attendre la nouvelle box. Ils ont enfin pu me proposer donc une meilleure connexion, donc j'attends ma nouvelle box là j'ai presque envie de dire d'une heure à l'autre. Tout simplement parce que bon bah ils ont envoyé la box en point relais et je l'attends de pied ferme et j'attends le SMS pour me dire ça y est, la box elle est là. Alors, donc il y aura des lives chers amis, bel et bien de bons gros lives. Alors comme je l'ai peut-être, je vais peut-être faire une vidéo dessus pour présenter ça, comment je ferai, comment je risque de faire. Il y en aura certainement assez souvent. S'il y en a de nuit ils seront comment dire, silencieux entre guillemets, je ne gueulerai pas, je fermerai ma bouche un petit peu, bon je répondrai, je discuterai, mais je essaierai d'être un minimum silencieux. Je ne suis pas tout seul. Bonjour monsieur le villageois mort. J'ai préparé, j'ai plus qu'à la monter une vidéo. Oh.
normalement je l'ai fermé. Sanctuaire de fortune, oula, lag. Bon, c'est pas grave, oula. Problème. Ramenez-le, que je puisse les corps. Un peu de patience. Il ne va rien lâcher, forcément, ça m'étonne qu'à moitié. Ce n'est pas prêt. Mais bon, c'est comme ça. Prends l'or quand même. Hop. Le niveau 2 des salles de l'agonie, c'est parfait. Dépêchons-nous, trouvons-nous un petit jaune ou un... Hop, quelque chose à buter qui puisse nous rapporter du légendaire avec quelques chances. Là, qui nous a largué de l'or. Pas encore. Allez, allez, un petit coffre. Rien de légendaire. Allez. Allez, un petit légendaire. Ah, c'est trop demandé, un légendaire. En plus, on est déjà au bout. Il y a un event en bas. On va pas arriver à temps. Non, il n'y a pas d'event sur celle-là. Pas de chance. Bon, bah, on n'aura pas reçu. On n'aura pas tombé de légendaire avec ce sanctuaire de fortune. C'est vraiment dommage. Bon, bah, allons-y. Après tout, pourquoi pas? J'aperçois des richesses! Ouais, tu parles, c'est du jaune, Calmos. Passage des hautes terres, voilà. Entrez dans le donjon maudit. Mouah, ah, ah. Boum! Voilà. J'ai pris une volée de flèches. Un peu de patience. Continue à me frapper, y a pas de problème. Alors, y'a rien par ici, non? Ah, mais Calmos! J'ai dit Calmos. Respectez mon autorité, un petit peu. Y'a des pilleurs qui sont arrivés jusque là, quand même. Voilà, ça c'est fait. Boum! Ah là là, mes archers, faites le boulot. Merci. Allez, bouffe! Le donjon maudit. Je suis Acilla, reine de notre bien-aimé Léoric. Mes serviteurs et moi. Alors oui, elle porte sa tête. De sa folie. Je vous donne ma bénédiction, champion. Allez les libérer de leur éternel tourment. Oui, madame. Ah, j'ai mis le bouton, je suis stupide. Alors, vous allez le voir. Oh, du bleu. Encore un péril à affronter, mon ami. Ma colère, ça me nuise. Voilà, est-ce qu'on aura eu quelque chose? Rien du tout. Pas encore. Tiens, on va envoyer mes archers faire le boulot des archers. Balayé comme un fétu de paille. Hop. Je manque de colère. Alors c'est marrant parce que moi je me rappelle d'une chose, mais on tombe pas dessus. Ah là voilà. En voilà une. Elle est ouverte là?
Non, c'est une grille. Il y avait de l'or sur lui, celui-là. Libre. Parfait, on en a fait un, il y en a un deuxième sur la carte, parfait. Alors on peut le faire avec un chrono, celui-là, il y a un défi avec un chrono. Bon, il n'est pas réalisable tout seul, sauf si on a la classe le plus rapide du jeu, qui est... Après tant d'années, la liberté. Le chasseur de démons. Enfin, la liberté. Voilà, voilà. Encore que, je crois que même tout seul, ça va être chaud. Hop. Alors les mecs, on s'éclate. Un peu de patience. Bon. Alors normalement il y a beaucoup plus de bleu que ça. Hein. Je suis assez étonné à vrai dire. En plus moi je suis, comme je vous le disais déjà, toujours à la recherche d'un certain équipement en particulier. Donc c'est vraiment dommage que je ne tombe pas dessus. Donc pour ce qui est du centre, on reviendra plus tard, vous comprendrez pourquoi. Rien n'arrête la croisade. Hop. Ce n'est pas prêt. Crac, crac. Alors, un. Libre. De rien. Garde, il y a un intrus parmi nous. N'ayez aucune pitié. Allez. Allez. Et toujours pas de légendaire. Un peu de patience. Je n'ai pas assez de colère pour ça. Hop. Allez-y. Mes fidèles archers. Non, je l'ai pris pour un ennemi. Remarque, si les ennemis étaient comme elle, ce serait beaucoup plus simple. Et à la fois beaucoup plus dur. Ce serait différent. Tout simplement. I wait to the danger zone. Excusez-moi, chers amis. Je suis en plein émoi. Hop, bonjour. Les dieux jugent bon de me libérer de mon tourment. Les dieux, je sais pas, moi, oui. C'est à toi de voir, ensuite. Renvoie de dégâts, c'est pour ça que j'ai pris aussi cher, d'accord. Wouhou. Pas encore. Faites geler, ouais, c'est... Un peu de patience. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'encore une fois, sur un jaune, je n'ai rien eu. On dirait qu'on est quand même deux. Hop. Cependant, il me manque au moins un mec à sauver. Il serait bien par là. Ce qui m'étonne assez, à vrai dire, je dois l'avouer. Ou alors il est sur la seule truc que j'ai pas réussi, que j'ai pas pensé à checker. Ce qui est possible. Il était là, la seule que j'ai pas pensé. La liberté. Merci champion. De rien. Mes serviteurs sont libres. Allez, ramène ton cul. Suis-je donc seul ici? Dois-je tout faire moi-même? Alors, très bien. Affrontez-moi et repentez-vous de vos crimes. Tu es déjà mort, arrête de parler. Bon, c'est pas grave. Le pauvre homme était déjà mort alors qu'il continue à parler. Hop. Enfin, pauvre. Tout est relatif, je pense, chers amis. Bon. Encore des ennemis. À foison. Je vais lancer mes archers fer.
soyons un peu plus sympathiques envers ces pauvres âmes damnées. Allez, sire, qu'on lui coupe la prisonnière est apprêtée selon les instructions. Je te remercie, sa femme. Ta loyauté est inestimable au milieu de toute cette traîtrise. Et toi, ma propre femme et ma chère reine, conspirez contre notre royaume. Allez. Mon amour, je le jure, je ne t'ai jamais trahi. Attention. Voilà. Ça, c'est fait. Et vous pouvez voir que la tête a roulé jusqu'au pied du roi. Jusqu'au bout. Voilà. Cherchez la chambre de la souffrance, salle de l'agonie niveau 3. On va tous se les faire en un seul épisode, chers amis. C'est presque un passage obligé, si je puis dire. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui doit rester un. Ça doit rester une unité. De mon point de vue, en tout cas. Tremblez devant le Zakaroum. Arrière. Alors, vous avez pu voir qu'ils avaient enfermé quelqu'un dans la cage de fer. Un peu de patience. Alors. Allons-nous avoir un peu de chance dans cet épisode et tomber un légendaire. Ah, ils ont le temps de se transformer. 187 de parangon, c'est déjà pas pris. On va aller mettre le point, c'est un point là, donc ce sera dans les résistances. Que la lumière brûle ta chair. C'est vrai que ça allait pas suffire, bizarrement. Mais bon, c'est pas grave. Hop, on va laisser le temps de se transformer quand même. Nous ne sommes pas si gentils que ça. Oh, bonjour. Bonjour, je t'avais pas vu. C'est un ennemi puissant qui nous attend là. Aïe. Envoie des dégâts, c'est pour ça que je prends si cher. Pas encore. Et boum. Par contre, niveau objet qui donne, c'est vraiment naze. C'est pathétique. Même. Hop, hop. Pas combien que c'est. Oui, ce n'est pas prêt. Je vais pas vous spoiler, mais bon. Je sais ce qui va nous. Vous en voulez encore ? Nous lâcher un légendaire, je pense. Ah putain, pas ça. Pas encore. Je fatigue. Ah ! Ah ! Ah ! Oui, j'ai failli mourir. Et alors ? Un peu de patience. On l'a eu. Cassez-vous de mon vous chemin. Vous m'impressionnez encore et encore. Oui, bah là, je doute que j'ai pu t'impressionner vraiment. Mais bon, c'est ce qu'il dit, hein. Ne lisez pas le chat, chers amis. Ne vous faites pas avoir bêtement. Hop. Voilà, voilà. Plus d'XP, c'est toujours prenable. Un coffre. Avec rien d'intéressant dedans. De la santé. Un peu de patience. Que la lumière vous condamne. On brûle un peu, c'est pas grave en soi. Pas encore. Hop là. Roulons notre boss jusqu'au boss, justement. Ah, il y a un pas le. Un ennemi terrible nous attend. Êtes-vous prêt? Tellement il y a un jaune là-dedans. N'approchez pas de ces feux. Ils brûlent. Oui.
Léa doit être à Tristram en train de pleurer sur le cadavre du vieillard. Elle aura bientôt un autre corps à dorloter. Le tien. Je te présente le boucher. Ah tiens, ça tombe bien, j'ai bien envie d'un steak. De la viande fraîche. Ils ont changé sa voix? Non. Ils ont pas osé. Hop. Ma colère, ça me nuise. T'as pris tellement cher, mon pauvre. Non mais laisse tomber, t'es déjà mort. Encore plus. Et il bloque tous tes coups en plus. Ce n'est pas prêt. Voilà. Et je me suis trompé au sujet du légendaire. Quel dommage, je pensais que c'était lui qui allait nous en lâcher, hein, vous voyez. Comme quoi. Et même moi, il m'arrive de me tromper. Donc, elle avait pris l'étranger, elle avait tué. Elle avait tué, comment il s'appelle, Descartes Kane. Et surtout, elle vient de tenter de me tuer. Donc bon. Ah bah. Mais on le connaît ce bonhomme! Ne serait-ce pas celui qu'on appelle l'étranger? Boum! Respectez mon autorité! Balèze. Bonjour. Je vais mourir. Ange, reprends ton épée! Mon épée. Je me rappelais pas du tout de ce discours là. Ah! Je me souviens maintenant. J'étais un archange des cieux. J'étais l'incarnation de la justice. J'étais... Je suis Tyrael. Ah. Enchanté. Elle saute sur tout ce qui bouge, littéralement. Vous m'avez fait recouvrer l'esprit, mon ami. Et je me rappelle maintenant de l'avertissement que je suis venu délivrer. Bélial et Asmodan, dernier seigneur des enfers, vont noyer le monde dans un torrent de ténèbres. D'accord. L'ombre de Bélial, déjà, plane sur Caldéum. Dans ce cas, je vais gagner Caldéum et rendre une petite visite à Bélial. Nous devons agir vite. Retournons à Tristram pour nous préparer. Oui, monsieur. Waouh. On a speedé. Bon. Tyrael, alors le temps presse, mes amis. En ce moment même, Bélial étend son influence sur Caldéum. Mais comment allons-nous le trouver ? Nous n'aurons pas besoin de chercher. Magda et sa cabale vont nous mener directement à lui. Et il a sûrement raison. Je n'irai nulle part avant qu'oncle Descartes soit enterré dignement. La croisade continue, mais nous devons honorer nos morts. J'ai fait appeler une caravane pour nous conduire vers l'est. Adressez-vous au guide quand vous serez prêt à partir. Nous nous occuperons de Kane au moment du départ. Parfait, merci. Bon, bah les amis, hop. Chef de la caravane, tout ça. Crac, crac, crac. Ok, tout ça c'est bon. Voilà la fameuse caravane. Le Mérolus, oui, tout à fait. Je vous aime bien, vous. Vous savez apprécier mes marchandises à leur juste valeur, contrairement à d'autres. Hop, voilà. Je donne tout ça. Teinture dorée, l'or, c'est pas mon genre, littéralement. On verra ça une autre fois. En plus, j'en ai quelques-unes. Ah non, j'en ai pas. Je n'ai pas de teinture dorée. Si, j'en ai 42, c'est bon. Hop. Teinture cardinale, j'en ai que 20. Désert, tout ça. Bon, ça, on verra ça une autre fois. Bon, bien, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour l'acte 2 de Diablo 3. Salut, les gens!